Salut à tous. Alors, avant de commencer le visionnage de ce let's play, je voulais vous préciser un petit détail sur comment ça s'est passé. En réalité, j'ai lancé le jeu et j'ai, sans faire exprès, passé le tutoriel. Ce qui fait que tout le début du jeu, j'ai un peu galéré à essayer de bien comprendre comment ça marche, découvrir certaines mécaniques un peu en retard et tout, et c'est ce que vous allez voir. Et après ça, j'ai fait le tutoriel. Sauf que pour une meilleure compréhension globale pour vous, sachez que d'abord, il y aura le tuto, et ensuite, ma vraie découverte de la première partie du jeu. Ce qui fait que si vous trouvez des choses un tout petit peu incohérentes, c'est normal, ça s'est pas déroulé dans cet ordre, mais je pense que c'était plus simple pour vous de voir ça comme ça. Bon visionnage. Je vais prendre le profil 2 juste pour voir. Voulez-vous ignorer le tutoriel? Non. On va faire le tuto rapidement, voir s'ils expliquent juste certaines commandes pour mettre en place certains trucs. Le jeu a l'air cool, oui. Ouais. Et l'univers, l'ambiance est fou. Voilà. D'accord, il y a d'avoir une petite histoire quand même. Le ministrel du changement, ok, lui on le connaît. Harlequin, le roi du théâtre. Le capitaine Spaventa, soleil de Meridiana. Et pantalon! Colombine. Incre. Dans un monde de masques, celui qui n'a pas de rôle peut choisir son destin. Bah, j'ai pas tout saisi. La musique m'a de nouveau fait beaucoup penser à celle de The Witcher. Ah, l'albero del cambiamento reca frutto. Risvegliati senza maschera. Il sipario si è alzato. Ok. Attaque légère, attaque lourde, oui. Entrée obtenue, tuer un réceptacle de changement défectueux. Ah, c'est ça ? Non, c'est genre les fils du destin, ok. Tu es trois réceptacles, deuxième partie. L'arbre des champs a porté de nombreux fruits et ils ne sont pas tous sortis de la forêt. Inaptes à jouer un rôle, ces enveloppes vides et misérables nous rappellent qu'il existe une différence fondamentale entre vivre et exister, avoir un but. Hélas, le but qu'ils ont trouvé n'est pas celui qu'ils désiraient. Ils errent au hasard, tels des vagabonds immortels, à jamais piégés dans le berceau du changement. Rapport au masque. Je l'ai. Saccader un peu le... B esquive. Ah pardon, je suis censé esquiver. Pareil. Left button, vas-y. Faut que je pars. Vaincre l'ennemi, ok.
Tu es 5 réceptacles de changement défectueux. Troisième partie. Oh, une nouvelle arme. Mais c'est moi ça. Le sang masque peut affaiblir l'emprise de Canovaccio sur toutes sortes de choses. Combattez les créatures hostiles pour que leur jauge de déstabilisation progresse lorsqu'elle est remplie. Ils sont temporairement exposés à un coup de grâce. Ok. Salut Miss Click. C'est un peu plus clair avec le tuto. Ouais, bah j'aurais dû commencer par ça. Ah bah tiens, Guts. Oui, oui, oui. Bah, le problème, c'est que ça, on a déjà compris. On aura de faire le tuto parce que... Bah j'ai oublié de le faire au début. Oh. Ok. Vous allez rire, je veux pas sauter. Vous allez pas rire, vous allez pas rire. Il y a un bug, je veux pas sauter. Zéro van. Le bouton de saut marche pas. Je pense que c'est quand j'ai commencé à faire de la merde ici, en sautant pour venir là. Chose que j'aurais pu faire sans sauter. Je veux pas sauter. Sur end. Au pire, je sauterai avec barre espace, c'est pas grave. Je sais pas si il y a manette ou pas, c'est trop bizarre. Mais bon, barre espace fonctionnera. Pourquoi on le laisse se soigner au juste? Ils sont trop bizarres les combats du tuto, l'ambiance même elle est trop bizarre. Ah, je peux ressauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Utiliser l'arme pour soigner. Ouais, ouais, t'inquiète. On est vraiment en train de tout apprendre. Boss ? La force du changement. J'aime énormément le concept. Mais attendez, mais c'est nous ? C'est le masque qu'on a dans le jeu, au début ? Ok. Aïe! Vas-y. Voilà. Nous, on fait des contres ici. Tu sais pas qui nous a élevés, frère. Lies of P m'a formé bien avant toi, bien avant toi. Ok. Ça comprend pas de dégâts quand il nous tape, hein. Ça va que c'est le tuto. Tuer la force du changement. L'arbre des champs a porté de nombreux fruits, ils ne sont pas tous sortis de la forêt. Inaptes à jouer un rôle, ces développeurs vides et misérables nous rappellent qu'il existe une différence fondamentale entre exister et avoir un but. Tout ça, on avait vu. Une seule chose peut mettre fin à cette sordide farce qui n'a que trop duré, le changement. Cette force sans limite depuis longtemps oubliée sur les terres maudites. Un jour, un réceptacle méritant tentera d'en faire usage et ce changement répondra en prenant la forme d'un puissant guerrier prêt
à mettre à l'épreuve, c'est nous. D'où le fait qu'on ait gagné cette épée, ce machin, etc. Ok. Maintenant, on peut se reposer. Incroyable. Salut, Troyen. C'est quoi le lore de base, du coup? C'est un niveau de Souls en termes de lore. Je t'avoue que là, brûle pour point, là. Il y a un arbre, les dieux, le machin, et puis... les gens, alors du coup on leur a mis des masques et c'est tous des marionnettes, sauf le sans masque, c'est-à-dire nous, enfin le, tu vois, le Ashen One. Et du coup seul lui pourra faire arrêter les choses qui vont mal. La force du changement, c'est l'avatar de Holland. Putain, je l'ai. Il va bien, Troyen. Configuration. Ah, c'est là, allez sur configuration 2. Là, ouvrez votre inventaire masque. J'ai appuyé sur A, d'accord. Équipez le masque. Ouvrez votre inventaire arme, équipez la deuxième arme. Ouvrez votre inventaire gemme de parade, mettez autre chose. Votre inventaire ligne, tac. C'est pour ça que ça marchait pas en fait. C'est parce que je n'ai pas au bon endroit appuyé sur retour pour revenir au nœud de la réalité. Voix des innovateurs, accepter. Et accepter. C'est pour ça qu'on avait déjà ces deux points en fait. Configuration, changez votre équipement. Avantage de masque, avantage de masque, aspect. Équiper l'aspect du soldat. J'ai mis l'aspect du voyou, appuyez sur retour. Rôle de esprit acéré. Son masque a juste 33 configurations à sa disposition dans lesquelles il peut placer toutes sortes d'équipements lorsqu'il se trouve dans un lieu de repos. Seules les armes, les gemmes et les consommables peuvent être changés. Il est possible de changer la configuration active à tout moment. Deux pressions sur les touches d'échange vous permettent de sélectionner la configuration. Ok. Le sommet, ce que j'ai en configuration, deux pressions sur la touche de... Vous voyez, bon, enfin, on en a déjà parlé en fait. Et yo quoi? Et on l'a fait? On l'a... Je suis en train d'essayer de changer les trucs là. Configuration. 3. Ouais, voilà. Nick. Il faut que je sorte de là, je crois. Je crois que si j'avance pas... Maintenez left trigger et RB pour utiliser... Oh putain! Tous les murs avec ça, je suis censé faire ça! Ah merde! D'accord. Oui, j'avais loupé des trucs, hein. Une qu'on sait pas pourquoi, on n'a pas de masque. Non, mais c'est comme les Ashen One, c'est-à-dire qu'on fait partie des pourris qui sont défaillants lorsqu'un ennemi est atteint d'ivresse. Tous les dégâts qu'il inflige sont augmentés, mais il en subira également davantage. Ah, c'est ça l'ivresse, essayer d'utiliser cet atout. D'accord. Trait de masque, ok, mais j'ai tout compris maintenant. Eh, mais putain de merde! Si j'avais fait ça avant. Hein? Cet ennemi a une défense naturelle contre les Fat Wow. Il est donc immunisé aux dégâts de Fat Wow. Et vulnérable au Grazia. Attends, quoi? Essayez d'imprégner vos armes de Grazia. Utilisez le trait de Grazia pour lui infliger davantage de dégâts. Mais je comprends rien, moi. Puisque j'ai des traits de Flatia même. Il m'a cancel le bug. Ah, et du coup, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est le côté, justement, Pierre, feuille, ciseau, qui nous dit, il est... C'est pas des dégâts de zinzin. Sève d'Armoria, pierre de taille. Minson revigorant. Mais comment je fais des dégâts de Brassia Parucci, là? J'ai pas compris. Non. Peut-être avec lui. Peut-être lui. Grazia inflige de la radiance qui permet de récupérer de la santé sur la durée. Cependant, les dégâts subis dans cet état déclenchent une puissante explosion. D'accord. Et là, il prend plus de dégâts. Lorsqu'un ennemi est atteint de radiance, il récupère de la santé petit à petit. Mais si vous le frappez, cela causera une puissante explosion qui peut vous repousser et mettra fin à l'état prématurément. Essayez d'attaquer à distance pour éviter d'être repoussé. Ah, il est en état de...
essayer de provoquer l'explosion pour comprendre. Pour l'instant, au niveau de l'explosion, ça va. Bon. Oh, c'est compliqué, mais je commence à capter. La défense physique et la défense physique. Quoi ? La défense physique et la défense physique. D'accord, a-t-il eu différents types de dégâts et doivent être augmentés séparément ? Ouais, je pense qu'il y en a un, c'est la défense magique. Je pense que le bouclier, c'est la défense physique et la défense avec les petits spirales, c'est la défense magique. Observez bien l'arme utilisée par votre ennemi. Elle indiquera le type de dégâts élémentaires qu'il inflige. Bien vu, Billy Boy. Faut que je combatte aussi ? Là, il fait des dégâts magiques, par exemple. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Ok. Dancing in the way. Vie ivresse augmente les dégâts infligés alors que la régénération d'endurance au prix d'une baisse de défense. Ok. Ce qui, du coup, est assez cool quand t'es un joueur assez chaud. Ok, ok. Et on arrive au début du jeu, là où on était. Épée de Genévrier acquis. Changer d'arme, etc., etc. Et on peut se reposer. Ok, bah j'ai bien compris. J'ai bien compris. Comment je me casse ? Je veux lancer le vrai jeu ! Mais c'est le premier, t'es nul, il y a le... Voilà, retour au menu principal. Voilà, tout va bien. Il m'a l'air bien compliqué le jeu. Non, 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 c'est ce que là, du coup, il y a plein de trucs à voir, ça sort tout seul. Je redémarre l'enregistrement. On est parti pour la suite. Dénotria, le boss et tout, maintenant qu'on a fait le tuto, on a tout compris. Charger la sauvegarde. Profil 1. Continuer. C'est parti. C'est la version finale du jeu là auquel je joue, hein, on est d'accord. Hein. Où il est sorti il y a un mois. C'est normal de pas avoir de cinématique d'intro. La musique qu'on entend depuis le début, c'est ça. Ah, par contre, j'aime beaucoup le style. Ah, le petit pantin en bois là. Avec une épée droite. Il y a des objets à récupérer à gauche, à droite. Là, il y a une porte. Là, il y a probablement un chemin. Cordarizente. On peut se reposer. Pardon. Je suis désolé pour l'accent italien. Je le dis maintenant, je le pose là, je suis italien. J'ai donc un passe-droit pour faire des blagues racistes. Peut-être que t'es pas dans le jeu. Peu importe. S'ils ont choisi de nous faire commencer comme ça abruptement, je considère qu'il y a une raison. Je considère ça ni comme positif ou négatif. Épée de Genévrier. D'accord, ça c'est pour sauter. Et interagir. Les réflexions d'un auteur. Entrée obtenue. Alors que les terres disparaissent, mes péchés sont révélés. J'entonnerai alors ce chant dans l'espoir qu'il apporte un changement à ce monde abandonné. Ok. Ok. Attaque lourde. On peut pas charger, elle se charge toute seule. R2, ça fait bouger le truc en bas à droite. Là, on bloque. Y, on consomme un truc, j'ai trop le seum, je me repose. Pitié, dis-moi que ça recharge. Dis-moi que c'est les potions de soins et que ça recharge. Oui, ça recharge, tout va bien. C'est Y. Alors, X, c'est quoi? C'est rien. Nickel. Il y a un léger délai. Et il y a quelques frises, ça, on m'a dit que potentiellement, c'était pas hyper bien optimisé. Par contre, j'aime beaucoup les animations. Et bah parfait. Ah, effectivement, il y a des petits à-coups. Je sais pas si vous le sentez de votre côté. Personnage, brut, assassin, élémentaliste, filou, mage de bataille. Memoria, memoria perdue.
Memoria nécessaire, ok. Il y a quelque chose, hein. Salut Talamari, et salut Fishman, vous allez bien? Inventaire, compendium, système. C'est ça qui va nous intéresser. Système affichage, il y a pas, il y avait graphisme dans le gameplay affichage. Limite de FPS illimité, ouais, hein, 144, c'est bien. Hein. Génération d'image DLSS automatique, netteté. Anti-crélénage ultra doucement. Et les... tout ce qui est ultra, les gars, pré-réglage de la qualité. Je peux pas. Ah, c'est automatique. Ok. Attends. Si je change un truc. Et je fais retour et que j'ai pas sauvegardé. Il me dit certains changements n'ont pas été appliqués, voulez-vous les appliquer? A. Les appliquer. B. Jeter. Bon, la trad est pas encore sur le point des 3 points. Top 1 sur TFT ce midi, je suis Master 126. Oh joli! Après le set est presque fini, mais le PBE est cassé, pas besoin de tester le 7-13. Putain, pas mal! Pas mal. Ok. Donc le rond, c'est là. Ok. Ça, c'est un ennemi. Et le rond, c'est une barre de statut, comme dans les Souls, assez classique. Sous la barre de PV, on voit qu'il y a un 4 icônes. Je crois que c'est assassin, je crois que c'est ça. C'est l'équivalent de brute, assassin, élémentaliste, filou. Bah non, c'est le dernier mage de bataille. On verra. Quoi? Ok. Ok. Attaquer a pas l'air de consommer énormément d'endurance par contre. Ok, non. Et c'est Y pour se soigner, ok. Ça, faudrait que je m'y fasse, mais c'est comme Bloodborne. Je peux essayer de... Enfin, le jeu commence, let's go. Ouais, désolé Rox, on a beaucoup... Il y en avait des mots. J'aime bien parler au début des streams, j'espère que ça vous embête pas trop, mais j'aime trop quand on parle des choses de la vie. Ok, ça c'est très Dark Souls. Et bah c'est joli, allons-y. L'univers en termes de DA est, je trouve, très très cool. Hein. C'est beau. Ah, y a pas à dire. C'est joli. L'animation de la course est particulière. J'ai l'impression que... Vous êtes des méchants, vous, non? Moi, je vous tue, ça me dérange pas. Vous êtes gentil ou méchant? Ah, j'ai cru que vous en avez rien à foutre de moi. J'allais mal le prendre. Enculé. Ok, tant que j'ai pas de bouclier, mon bras qui bloque pas. Vic Decep. J'interrupte facilement. Ok, les timings d'esquive sont assez cohérents. Ça va. Il y a juste un détail qui va pas. Il m'auto-verrouille pas la cible suivante. Et c'est con, mais c'est très chiant. Ramassage automatique, oui. Verrouillage automatique, oui. Si l'ennemi verrouillé meurt, l'ennemi le plus proche est verrouillé, oui. Ah bah si. Oh bah ça n'a pas marché là. Pas de chance, j'imagine. Moi je viens d'ici. Et je ne viens pas du ciel. Les étoiles entre elles ne me parlent pas que de toi. Ni d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Et bah l'inverse, je viens de là. Je crois. Ah ouais, j'ai un complètement de là. Hein. On dirait Elden Ring un peu. Eh bah c'est le même principe, Prox. C'est quoi ton panel de connaissances sur ce qu'on appelle les Souls? C'est-à-dire Demon Souls, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro, Elden Ring. Et dans un plus large choix, les Souls-like, c'est-à-dire Nioh, Lies of P, Lord of the Fallen, Nier Automata,
moyennement un Souls-like, Mortal Shell. Il n'y a pas de backstab, hein, non. Il faut que j'arrête d'essayer de backstabber. Entrée obtenue, tuer deux citadins. Domizio savait faire beaucoup de choses, mais il n'excelle dans aucune d'elles. Il n'avait jamais été doué pour se concentrer sur le sujet. Tac. Les habitants de la ville, d'accord. Et ça c'est quoi? L'arbre des champs a porté de nombreux fruits et ils ne sont pas tous sortis de la forêt. Inapte à jouer un rôle, ces enveloppes vides et misérables nous rappellent qu'il existe une différence fondamentale entre vivre et exister. Avoir un but. Réceptacle du changement. J'ai full buggé, je sais même plus. Réceptacle des atomes des molécules, ça y est. Quelque chose, hein. Sekiro est un Souls, Bubble rétablit-il la vérité? Non, Sekiro n'est pas un Souls, mais c'est un FromSoft, tu vois. Je la fais très courte pour quelqu'un qui connaît pas trop. Je connais que les Dark Souls et Elden Ring. Ok, bah c'est un Souls-like, donc ça veut dire que il s'est permis de voilà, s'imprégner du genre des Souls. Après, je me souviens que Darksiders 3, ils avaient osé vendre ça comme un Souls-like. J'ai le poing serré, hein, rien que d'y repenser. Donc Souls-like, souvent, c'est facilement dit aussi pour juste vendre le jeu. Ah, les gens, ils aiment bien les Souls. Bah du coup, on va dire que c'est un Souls-like parce que bah, c'est pareil, il y a la bagarre. J'ai voulu ramasser l'objet, du coup, j'ai sauté. Bon, et ça, ça marche toujours pas, ça, par contre. Ça se voit pas, mais j'ai dash au bon moment. Ok. Faut que je récupère de l'endurance. Non, c'est à moi d'attaquer. Eh bah non. Morte. Ok. Et on y retourne. Morte. Pourquoi au féminin? Je crois pas qu'on soit un... Non, on n'a pas l'air de jouer particulièrement un... Une femme, c'est un mannequin. J'ai vu que c'est une poupée morte. Ça a failli te faire avoir, oui. C'est pas morte en italien? C'est morte parce que c'est italien? Non, ça fait une vingtaine d'années maintenant que techniquement on est censé mettre les accents même sur les majuscules. En tout cas en français. En même temps ça peut être morte. Sans accent, qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement con votre streamer là. Vous voyez comme il me l'a pas verrouillé automatiquement? Eh bah c'est pas agréable. On peut faire une dernière chose quand la barre d'endurance est vide, d'accord. Tuer deux jardiniers. Parle-moi des jardiniers. Quels idiots, regardez leur champ. Évidemment que tout a flétri. Ils n'ont jamais parlé à leurs plantes, même pas une fois. Putain, les gars! Enfin, parlez à vos fleurs, on est où, là? Ça va, oui? Faites la pression, pourtant. Il est trop bête, je te jure qu'il est trop bête. Ça, par contre, c'est typique Souls 1. Après, souvent, les gens disent qu'un jeu, c'est un Souls-like quand t'as des points de repos qui font des réapparitions. Bah, c'est ça, c'est... Bah, j'avais fait une vidéo il y a longtemps. Enfin, il y a un an. J'avais fait une vidéo il y a un an sur YouTube en mode... Ok. Souls-like. Je crois que la vidéo, elle dure 45 minutes. C'est long, hein. Faut en avoir du temps à perdre. Mais en gros, c'est... Qu'est-ce qu'un Souls-like? Qu'est-ce qui permet de dire si oui ou non un jeu est un Souls-like? Qu'est-ce qui lui donne l'autorisation d'appeler s'appeler comme ça? C'est... Il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais qu'est-ce que... Tu tombes pas? Ouais, si. Si? Non? Oui? Si? Si, ok, oui, il y avait des petits rebords. Mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment un Souls-like ou non? Et qu'est-ce qui définit un Souls-like? Et en fait, il y avait énormément de choses, parce que... C'est ce que tu dis. Quand t'as des points de repos qui font réapparaître les ennemis, que tu perds une devise en mourant qui est équivalent aux points d'expérience et ou à l'argent, que tu peux mettre des points dans tes compétences. C'est pour ça que Sekiro est pas tout à fait un Souls-like, parce que Sekiro t'impose un gameplay, alors que dans les Souls et les Souls-like, t'as plutôt un choix de gameplay. Tu récupères en tournant à l'endroit de la mort, mourir une seconde fois entre temps. Alors que un Souls, tu vois, typiquement, c'est con, mais il n'y a pas que ça. Si on veut que ton jeu soit un Souls-like, pour moi, il manque un truc essentiel déjà en termes de gameplay. Je parle uniquement en termes de gameplay dans ce que tu as listé. Il manque l'endurance. Un Souls-like, c'est un mec qui fait des roulades pour esquiver. Et un jeu qui a pas forcément une difficulté, mais disons une exigence de gameplay, tu vois. Ça fait aussi partie des Souls-like. C'est ce qui fait que
Hollow Knight est considéré comme aussi un Souls-like. Il a pas forcément ces choses-là. Ces choses-là, il les a, mais parce qu'il est attaché au style Castlevania. Mais à côté de ça, il a un Souls-like. Pourquoi? Parce qu'il est un peu sombre, parce qu'il a quoi qu'il a même pas d'endurance, mais il a ce côté exigence. Il y a ça aussi qui est attaché au Souls-like. On dit, bah, c'est un jeu qui est difficile. T'as cette barre d'endurance qui te permet de voilà, compter tes attaques et tes roulades et qui te force à avoir une gestion de ton endurance. Et un autre truc qui fait aussi beaucoup effet à Souls-like, c'est le côté sombre. Le côté dark fantasy, généralement dark médiéval fantasy, mais faut que ce soit un peu sombre. Et en fait, plus le temps passe, plus ça a l'air d'être un boss. Ah, plus un Souls-like, t'as des patterns de zinzin, tu vois. C'est vrai que je l'ai pas mentionné. Ouais, et finalement, ce que t'as donné comme définition, ça marche aussi. C'est ça le truc, c'est que c'est assez libre, éclat d'un souvenir misérable, ouais. C'est assez libre un Souls-like, et finalement, bah, ça veut tout et rien dire, parce que... Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que t'as dit, ça marche et on n'est pas obligé de cocher toutes les cases en même temps parce que toutes les cases en même temps, c'est pas un Souls-like, c'est un Souls. Je suis en train de finir une vidéo sur Dark Souls 2, je vais en reparler aussi. Mais à mes yeux, Dark Souls 2, justement, est un excellent exemple de Souls-like. Dak, t'en as rien à foutre quand je te tape, hein, c'est ça? J'ai voulu esquiver, mais un peu tard. Oh, tu fais mal! J'avais des PV avant, tu sais. Mais ça, c'était avant. Et 3, non? Elle est encore rose. Je vais attendre qu'elle soit... Voilà, elle est plus rose. Yes! Bon, ouais, mon timing. On va passer une bonne journée! Je pense que lui, c'est pas pour tout de suite, hein. Il y a Blackmith Wukong que je considère comme un Souls-like parce que même si tu perds un peu d'expérience en mourant, tu perds rien d'autre, t'as rempli ta jauge d'expérience. Ouais, bah comme Sekiro, hein. Tu le considères comme un Souls-like malgré tout? Je l'ai pas encore fait. Mais je le considère pas du tout comme un Souls-like pour le coup. Souls-lite, pardon. Souls-lite, j'ai lu un peu vite. En fait, Souls-lite devrait être une vraie appellation. Je pense que toutes les appellations like sont débiles parce que si on prend toutes les tout ce qui définit un Souls-like de façon générale et aussi ce qu'on a dit aujourd'hui, bah dans ce champ, je suis en train de mourir parce que je joue mal. Il faut que je me concentre. D'après, je sais plus quel magazine en ligne. Et coucou Eliospeda, pardon, t'as dit coucou, je t'ai même pas répondu, j'étais à fond dans la discussion. Ça va très bien et toi, c'est plaisir de te voir. Elespada, pardon. J'ai un peu démoli ton pseudo. Comment toi tu vas? Mais ouais, tu vois, à côté de ça aussi, sur les Souls-like, t'as Star Wars Jedi Fallen Order. Il est sorti Souls-like. Et quand je dis Souls-like, c'est pas... C'est pas sorti du... Du cul du coq. Sur Steam, ils se sont mis en Souls-like. Sur Steam, les catégories de jeux qui apparaissent Steam, genre jeux, aventure, horreur, machin, etc. Tout ça, ce sont, sont les éditeurs hein, qui le choisissent, enfin, c'est le développeur qui le choisissent. Donc EA a fait... c'est EA, je crois. Un sécateur. EA a fait ce jeu. Et après, il a dit, oui, c'est un Souls-like. Ils l'ont vendu, du coup, comme un Souls-like, ce qui est une aberration. Mais attendez, mais j'ai plein d'armes! Attends, mais c'est une blague! Mais d'où j'ai tout ça même? Non, ça je peux acheter. Attends, pourquoi il y a un petit... Non, attends. Si, si. Dégâts élémentaires, ça, ça en fait plus. Ok, dégâts physiques, ça en fait plus. Dégâts d'ardore, ça en fait plus. Dégâts de déstabilisation, ça en fait plus. Dégâts d'état, ça en fait plus. Mais c'est mieux, ça. D'accord, c'est une plus grosse épée. C'est un peu logique. Elle est hyper lente. Pourquoi ses stats sont éclatées alors qu'elle est trop lente? Dégâts de déstabilisation. Ok. Alors si on est dans le tuto, j'imagine que je peux avoir un bouclier. Non, je vais me faire foutre. Et là, j'ai rien non plus. Nickel. Là, j'ai... Une vieille fourche. Ok. Bah étant donné que je comprends rien à ce que j'ai, on va faire... Oh, l'épée de jeune Vidier, épée longue, elle a l'air chouette, elle. Mais j'ai eu un sécateur, donc on va jouer le sécateur. Ah non, mais pas contre toi, pardon. Je vais jouer le sécateur contre quelqu'un d'autre. On peut peur de canner. Je déteste la mort, c'est...
Ah mais ça leur fait un état. Attends. Il a un état, je meurs. Si à lui tu me lances des... Bon, le sécateur, c'est pas été un moment plus... Ça m'y pose dans le jeu. Attends, quoi? Ah non mais ça c'est ingrat, je me suis pris un coup. À savoir que j'ai quand même essayé de me déplacer. Parce que... Oh, c'est un enfer. Ouais, je lui ai pas fait hyper mal là. Je suis habitué avec les Souls d'ouvrir le menu et de quand même me déplacer. Et bah là, je vous donne l'info. J'ai ouvert le menu, j'ai essayé de me déplacer, il a pas voulu. Par contre, je me suis quand même pris des dégâts. Donc ça arrête le personnage, mais ça arrête pas le jeu. Ouais, voilà, ouais, je suis très curieux. Encore. C'est ça ma gueule. Du coup celle-ci qui est une épée droite un peu plus courte encore que celle d'avant, elle est jolie, donc on va prendre celle-là parce que dans les Souls, on fait en fonction de si t'es Dolly. Récemment c'est compliqué qu'on survit surtout, et bah courage. Courage à toi. Si tu veux venir souffler un peu, c'est avec plaisir. Non, je vais pas passer comme ça. Est-ce que je fais demi-tour pour récupérer mes âmes? Enfin, consommer mes âmes? Non, hein. Surtout que là-bas, je crois qu'on va pouvoir allumer un feu. Rivage de Quinta. Ils font quoi là-bas? Je crois qu'ils pendaient quelqu'un, pas du tout. Bon courage à la prochaine. Des bisous, Rox. C'était un plaisir, prends soin de toi. Je reprends doucement Twitch pour me changer un peu les idées en regardant les gens que j'appréciais. Quel plaisir. Un peu flatteur, je... C'est pas désagréable. Attends. Ok, flèche du haut, je change d'épée. Non mais du coup ça a rien de fou. Épée 1, épée 2. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que tout ça. J'imagine que je verrai. On doit être dans un genre de tuto, hein, c'est réel. Du coup on va peut-être se dépêcher un peu. Je peux améliorer mes points. Voix des innovateurs. Niveau supérieur, voyage rapide. Configuration et voyage rapide, je comprends. Voix des innovateurs. Ok, yo. Voix de la Grazia. Lorsque vous lancez le trait de masque équipé dans l'emplacement 1, votre arme s'imprègne brièvement de Grazia. Le problème, c'est que je connais pas encore les masques, les machins, les atomes des molécules. Lorsque vous infligez des dégâts, votre régénération d'endurance augmente brièvement. Brièvement? Ah ouais? Acquérir. Ouais, hein. Puissance intérieure, lorsque vous êtes touché alors que vous utilisez un trait de masque, celui-ci se recharge légèrement, cet effet peut se produire qu'une seule fois par lancement de trait de masque. Je ne sais pas encore ce que sont les traits de masque, on va du coup pas trop prendre tout ça. Par contre, niveau supérieur, c'est facile. Brut, c'est quoi? C'est la santé, la défense. D'accord, et du coup les 4 trucs qu'on doit avoir quand on est en jeu, c'est assassin, élémentaliste, filou et mage. Assassin, c'est la puissance d'attaque, élémentaliste... Ok, sa puissance élémentaire et la puissance d'état, donc c'est ok, je vois ce que c'est la puissance d'état, c'est quand on... c'est saignement, c'est poison, c'est la mise en état. Taille du sac, on s'en fout, endurance, on s'en fout pas. Mage de bataille, puissance d'ardor. Assassin, brut, filou, hein. Assassin et filou. Sachant que filou c'est combien? C'est 5. Alors que brut... Ah oui non, brut ne fait pas l'endurance. Ok. Donc 2 points dans l'endurance, 2 points dans les dégâts, 1 point dans les PV, dans la défense. Ça me semble pas mal. Y guide. Ah, ça nous expliquait. Augmente l'endurance de la taille du sac. Vous pouvez entendre porter davantage d'objets. Mage augmente les dégâts et la vitesse de charge des traits. Ça c'est les traits de, du coup des masques. Le niveau... Ah, on va pouvoir savoir ce que sont les états par contre. Augmente l'efficacité des attaques qui infligent des états. Les états étant l'état d'ivresse. Ah, ça c'est quand t'es ivre. C'est pour ça qu'il y avait le vino. C'est pour ça qu'il y avait le verre de vin au-dessus de la tête du mec. Malfaisant réduit l'efficacité de l'état de malfaisance. Je sais pas ce que c'est. Radiant. Radiant c'est comme dans Lord of the Fallen j'imagine. Et pestilence. On a l'impression que c'est un genre de poison. C'est validé. Maintenant que j'ai plein de points de compétences, on retourne taper le mec avec sa grosse hache là. J'ai l'habitude d'une situation compliquée, je la fais aussi facilement, t'as bien raison.
Là, j'ai plaqué pas mal de choses pour en faire ma vie de façon plus saine. C'est génial, ça. J'adore. De base, le jeu est en... Et en anglais. Je me suis dit qu'on allait le mettre en italien pour plus d'immersion. T'es résistant un peu, bâtard, toi, non? Il y a d'autres gens qui arrivent. Est-ce qu'on peut régler ça vite? Voilà, lui me stresse, je te cache pas. Tu es deux réplicants tricornés. Oh, mais ça met pas pause. Non, ça met pas pause, non? Ouais, non, t'as pas le droit de faire ça. Bah à toi. Comprendiam, je crois que c'était là. Les réflexions d'un auteur, ouais. Et du coup, c'est ici. Ok, ça va être Comprendium, c'est pour comprendre le jeu, les habitants de Quinta, c'est ça que je voulais. Réplicant tricorné, c'est lui. Ces artistes aux multiples talents ont passé toute leur vie à perfectionner leur art, mais lorsque leur passage sur scène doit durer une éternité, on peut se demander s'ils sont vraiment heureux ou s'ils attendent désespérément le dernier acte. Waouh. C'est deep, hein. Tu comprends si tu continues à jouer, je pense, dans le tuto. Ouais. Et voilà, donc lui, il est ivre. D'où sa barre de PV de cette couleur-là et... Pour l'ego, j'ai envie d'essayer de le... Oh merde, le timing, frère. Ah ouais, bon, on va... Non, on ira plus tard. Mi chiedo, è il nostro congiunto fato all'oblio destinato. Oblio. Oh, les artistes maudits, eh. Je suis ivre, je sais pas ce que fait l'ivresse, l'état d'ivresse. Je ressens pas de malus dans les... Le poids de l'existence attend tes jugements. Tout cela est entraîné à mesure de l'année. Souvenirs s'effacent. Un petit pal de joie dans la liberté accordée par une tombe vide. Sur laquelle dans l'ombre frais j'ai aidé. Il y a un côté séduisant à cela qui n'a ni forme, ni nom, ni limite. Et peut-être que dans l'oubli plus sombre que les ténèbres, où tout et rien se mêlent, se trouve la paix véritable qui a fui l'implacable lumière de la vie. Oh, waouh! T'as gagné mon cœur et mon âme, cher ami. Au nom de ce rêve au-delà des rêves, restons déterminés jusqu'à ne plus être que ver et poussière. Ah ouais, artiste maudit de Zinzin. À la danse macabre, à la grande perversité de l'existence, au rythme du cosmos, qu'il nous fasse jusqu'à la fin et au-delà. Ah, une amulette. Je la mets là, non? Je la mets où, la amulette? J'ai pas un tête là, l'amulette? Non. Je suis pas encore hyper à l'aise avec les touches, je vous cache pas. Pardon? Mais c'est quoi, eux? Et que... C'est les masques? Masque. Oh yo, je suis perdu. Je peux pas les lock. Donc potentiellement pas des ennemis. Tant pis, hein. On a un autre pattern si on sprint et... Ouais. Ok. Et pareil, si jamais c'est une attaque rapide. D'accord. Par contre, attaque rapide ou attaque lourde, les patterns sont les mêmes quand on est en train de sprinter. Notez. Le jeu est hyper, hyper maniable, même si tu ne verrouilles pas l'ennemi. Et ça... Ça, c'est cool. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi. Si on suit les définitions des sous-tailles qu'on s'est données avec Fishman, bah vraisemblablement, God of War, depuis qu'ils ont fait...
Depuis qu'ils ont changé un petit peu leur fonctionnement, bah ça devient un Souls-like aussi en fait. C'est curieux, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux aller dans l'eau ou... Ok. On n'est pas dans un Souls, je peux aller dans l'eau. Parfait. Un harpon. Oh! J'aime bien ça. Il est pas là. Mais donne-moi le harpon. Mais j'ai un harpon. Amulette. Un talisman censé éloigner le mauvais œil augmente la chance sur une longue période. Ah, c'est un utilisable, c'est un flacon. Vieille fourche. Le fameux de Quinta stocké à des grandes rues. D'accord. Je peux avoir mon... Si j'avais une arme. Elle absorbe toutes sortes de dégâts en faible quantité. C'est les capacités, c'est pour la mage, et ça c'est quoi? La cible plus dure offrant une excellente protection contre les dégâts physiques en mêlée. D'accord. Plutôt la magie, plutôt les dégâts physiques, et plutôt tout. Bah pour l'instant, on prendra dégâts physiques. Je suis perdu. J'ai un harpon, mais je sais pas où il est. Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai pas l'air de pouvoir interagir avec, c'est pas la bonne touche. Right button, ça me fait bouffer d'ardor. Quoi? Ça a apparu là? Ou c'était là avant, je l'avais pas vu? Ok. Oh! Yo! Faut que je m'occupe du petit avant. Mais arrête de me jeter du vin dessus, c'est pas possible! Je peux te battre ou pas, toi? Oui et non. Putain, il y avait un autre coup. J'ai été greedy. Je peux y arriver, je peux le faire. J'ai failli y aller là. Bon, les patterns sont pas... Oh! J'aurais pu le stab. Éclat de masque de bûcheron. Attends, un éclat de masque! C'est comme les masques! Non, faut que j'aille me faire foutre. Je crois qu'il faut vraiment que j'aille me faire foutre. Hein. L'eau est un peu bizarre. Ouais. Je suis bien d'accord. Oh, elle est douloureuse celle-là. Oh, elle est douloureuse. Sans rien détailler trop de choses, m'empoisonne lentement ma vie. Ma santé mentale est en gros déclin. Donc du coup, je me suis dit, nique, je plaque tout et on reprend à zéro, t'as raison. J'ai fait à peu près ça en... Il y a 6 ans. J'ai quitté une meuf, un taf. J'ai un peu tout quitté en mode bah je suis peu. Non. Attends, mais si je meurs maintenant, je perds tout là. Bah ouais, soigne-toi. Casse les couilles lui aussi. Mais vous êtes chiant de zinzin, laisse-moi jouer au jeu, c'est une dinguerie. Attends, on reset. On est d'accord que là, si je fais... Non, y'a rien qui se crée. C'est très curieux, mais c'est assez cool. Ok. Bah allez. C'est espagnol. Et lui, il continue à nous tirer dessus, quel enfer. Attends, j'ai plus d'endurance. T'as pas du tout attendu. J'ai dit attends. Ouais, t'aurais pu attendre si j'avais plus d'endurance. Oh.
Ouais, c'est ça qui a fait apparaître ça. Ouais, ouais, je suis pas complètement taré. Et où est mon bien? Où est mon âme? Où sont mes âmes? Je me dis pas que c'est là. Ok, si, mais sans mourir. On repart en arrière. On va pas se faire chier. Vite, vite, vite. Merci. Sinon, ça aurait vite été chiant. Ouais, eux non. Très bien. Qui me tirait dessus? Ah putain, toi là-bas, je regardais de l'autre côté, je suis trop bête. Bon, j'arrive, je fais le tour, je vais voir monsieur. On s'occupe de toi, l'archer. Je t'ai vu venir, mais gros comme une maison. Bah oui, un mec qui attend calmement, tu te doutes bien, pas à moi. Et en même temps, il me veut pas la bagarre, la dernière fois il était trop fort pour moi, est-ce que vraiment je l'attaque? Ouais, y'a que toi qui dis que c'est un tuto weirdel, hein. Ok, ça s'est pas vu, mais j'essaie d'esquiver en pixel timing. Quelle erreur. Oh hey, ça y est. Ils sont forts, eux. T'avais cliqué sur tuto avant de lancer? Non, non. Y'a jamais eu de bouton tuto? Non, non. Ou alors j'ai cliqué sans faire exprès et j'ai pas vu, mais non. Ouais. Bon, la technique de spammer les roulades, on reviendra. L'archer est pas encore en position. Le gros monsieur, par contre, oui. Ça va, la grosse perd assez facilement, tant mieux. On va arrêter d'essayer de tabasser les gros monsieur qui sont trop musclés pour moi. Tombe pas. Mais les gars, mais mourrez pas! Mais vous êtes pas bien! Anciennement appelé Vedetta, la ville de Quinta prospérait en tant que carrefour commercial grâce à un emplacement central de Enotria. Enotria qui, je sais pas si vous le savez, mais Enotria c'est une ville en Italie. Hein. Du parcours comme ça, excellent. Putain, l'archer. Raté. Pile le mauvais timing. Éclat de masque de jardinier. Acquis expansion d'harmonia. Bon, ça vraiment c'est juste une arme secondaire, faut que j'arrête d'y réfléchir. Ça je sais toujours pas ce que c'est. Là je peux y mettre des... des consommables que je comprends pas. On peut lancer sur les ennemis pour infliger des dégâts mineurs et attirer leur attention. Pesto. Un mélange merveilleux qui peut éliminer n'importe quel effet d'état, ça c'est intéressant. Un petit ustensile de cuisine pointu, piqué, lancé pour attirer l'attention. On va prendre ça et ça. Ça c'est quoi? Éclat de souvenir. Accorde de la memoria. Memoria, ok, c'est les souls. Ok, enfin c'est les âmes, ok. Flacon de vis. De vie, oui, non, si c'est le truc qui rend sous. L'amulette. Talisman censé éloigner les mauvais oeils. Ouais, ça a utilisé pour avoir plus de loot. Grenade lutiminienne.
Une concoction explosive qui se lance sur les ennemis provoque une petite explosion en contact. Ok, c'est une grenade. Ça, c'est pour récupérer quelques points de vie quand il blesse un ennemi pendant une courte durée. Ok, ça aura de la régène PV momentanée. Ok, et ça, c'est un objet de lancer. Tu fais des dégâts élémentaires. En revanche, ça, c'est mes armes. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est quoi? Invoque une épée chargée de pouvoir. Équipée dans la configuration 3. Équipée dans la configuration 3. C'est lié au masque. Masque d'esprit acéré. Monte des dégâts infligés par les traits du masque. Oh, faut que je trouve comment équiper le masque. Parce qu'apparemment, je les ai. Fragment de masque ayant appartenu au rôle, j'en ai 34 sur 100. Au rôle de jardinier permettant de recréer quand ils sont suffisamment nombreux. D'accord, c'est ça les fragments. C'est stylé ça comme mécanique. C'est con qu'on nous l'explique pas. Mais c'est hyper stylé. Attendez. Left trigger. Ah. Là. Inventaire. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça représente. Je mangerai une pizza. Allez, vous avez le droit. Je sais pas comment changer de masque. Peut-être que intelligemment, il serait temps de regarder les touches, non? Voir les commandes. Utiliser l'ambre d'harmonia, c'est pour se soigner, c'est les potions. B, esquiver. X, utiliser l'outil, on en a pas. A, sauter, interagir, sauter. R, rotation de caméra, verrouiller caméra, LT plus Y, B, A, X, utiliser les traits, j'ai vu mais je sais pas comment les équiper, bouffer d'ardor, j'ai compris ce que c'était, c'est l'explosion, maintenir, changer d'action d'ardor, ok, left button paré, pas vraiment, attaque lourde, attaque légère, riposter, menu, se déplacer, changer d'outil, outil suivant, outil précédent, changer de configuration. Mais putain de merde! Il est sacrément con, lui! 15 ans! Il a fallu 15 ans pour comprendre ça! C'est une singerie! T'as pas fait le tuto? Mais y a pas de tuto! Il n'y a pas de tuto! Ils sont pas cool avec nous. Si. Si, si, je suis dedans. Jure, tu l'as ignoré. Ah, merde! Bah je suis juste nul alors. Attends. Eh ben on n'a pas besoin de tuto. Mais quand est-ce qu'on m'a proposé un tuto du coup? Je n'ai même pas le souvenir. Ok. Ouh, recule. Ça s'est quand même vachement mieux passé là, non? J'ai jamais eu l'impression de vraiment faire partie de cette ville, trop de festivités à mon goût. C'est à Quinta qu'on trouve le meilleur bois. Ok, c'est quoi du coup le tuto? Fais-moi un brief. Ouais, le jeu est beau, ouais. Quand t'as lancé le mode Soulslike, t'as littéralement maintenu A pour ignorer le tuto pop-up. Oh la vache. J'ai vérifié, bah putain. Complètement crétin ce gamin. Bah j'ai grave le seum parce que j'aurais adoré savoir tout ça. C'est pas grave. Mais... D'où lui il a une arme spéciale? Il y a plein de trucs à visiter encore là-bas. Il y a plein de choses à faire là-bas, ça m'angoisse de partir. Vous voyez là? Et si c'est ça qu'on nous montrait? Si on nous montrait qu'en fait il s'était pas suicidé? Dégénéré qui sautait.
pas compris le titre, chef, je suis trop vieux. Le titre du stream ou de... ou du jeu? Du stream, non mais je n'expliquerai pas le... je ne ferai pas cet affront, hein. J'y vais à un endroit où on pouvait sauter, il y avait un loot. C'était pas là. Putain, mais ça veut dire que j'ai loupé potentiellement plein de choses, plein de mécaniques. Je sais même pas la différence entre ça, ça et ça. Configuration, lui, joue avec ça, ça, ça. Et il a des traits, genre. Lancer un trait de masque à distance augmente brièvement votre puissance d'ardor. De plus, le trait de masque se recharge légèrement. Lorsque vous lancez le trait de masque équipé dans l'emplacement 3, votre arme s'imprègne brièvement. J'ai pas réussi à le lancer. Ah putain, ça se... faut que... ok, ça a changé d'arme. Je crois que j'ai pas fait exprès. Il y avait même un objet ici. Bien messire. Faut que je retrouve mes âmes. Ma memoria. Et je... et la suite, j'en sais rien, frère. Ça m'a fait changer d'arme, d'accord. En fait, c'est un combo qui me permet de changer d'arme avec un peu de style. Putain, je suis trop mauvais à ça. Très bien. Très bien. Ça veut dire que si lui là-bas... ouais mais non parce qu'il y a l'archer. Tu ne bouges pas mon coco. Ah ouais, oh, c'était pas fou. Ah, c'était pas fou bis. Eh oui, eh oui. J'ai essayé de parer, ça n'a pas marché. Oh non, j'ai perdu toute ma memoria. Bon. J'aimerais bien essayer de... de comprendre le parage. Oh putain. Attendez, attendez, j'arrive, bougez pas. Oh non, il m'a eu en plein saut, ouais. Quel enfer. Oh, juste on se casse, on se casse. On va se battre ailleurs, c'est pas grave. Ah mais j'ai beaucoup plus de PV sur lui. Faut que je comprenne ce qui se passe. Hein. Je vous cache pas que j'ai pas encore saisi toutes les subtilités, les tenants et les aboutissants. C'était bien ou pas là? Et ça tue même pas? Bah ça sert à quoi? Je me suis fait chier, je te cache pas, c'était pas facile, hein. Oh là, mon arme brille. De jolies couleurs, en vrai, pas de regret. Très bien. Bon, j'ai plus de potions. Qu'est-ce que j'ai loupé là? Comment on va là-bas? C'est peut-être après? Allez, on va partir du principe que c'est pour après. Comme ça, on va avancer un petit peu.
Macron interaction. Hop là. Allons-y. Comment je fais pour... Ok. Ok. Filou. Élémentaliste. Mage. Par contre, ils ont tous mes stats. Bon. Ok, on est arrivé à Quinta. Putain, je me demandais qui me parlait, je t'avais pas vu. Oh, je peux améliorer mon équipement. Attends, je peux faire plein de choses. Bon, je vous mens pas, j'ai pas encore tout compris. Hein. Une ville en mutation. Lentement, mais sûrement, la ville de Quinta devint un refuge pour ceux qui voulaient vivre en paix et s'adonner à l'art. Éclat d'un souvenir mémorable. Ouais, y a quelqu'un derrière qui fait des choses et d'autres. Améliorer son équipement, on verra plus tard. Mi sembra quasi di poter udire i pensieri che si agitano in quella testolina inespressiva. Chi, cosa, dove, quando? Calma, mio promettente prodigio, calma. Dirigiti al castello in cima alla collina. On va vers le château au sommet. On comprendra mieux ce qui se passe. On a les bras quand même vachement. On a des cicatrices sur les bras, les gars. Ok. Ok, logique. On peut soit. Ah, mais non, parce que tu. Moi, je prendrais plus elle. Et je suis pas fan, donc plus elle en dessous. Ouais. Quoi qu'il y a ça, hein. Épée de guerre de scène géante, on n'a pas. Ok, Guts. Mais elle est en bois. Qu'est-ce que c'est moche. Ok. J'imagine que c'est ok. La porte ne peut pas être ouverte d'ici. Évidemment, on joue à un Souls. Par contre, je peux améliorer cette arme ou pas? Fragments de machin... Ouais, mais il me faut des fragments de baiser apparemment. Parce qu'elle est spéciale. Attends, mais il y a un système de scaling. Améliorer, rembourser, trier, retour, Y. Puissance d'attaque, puissance d'ardor. D'accord. Dégâts physiques, puissance... D'accord. En fait, elle, elle scale sur de la magie. C'est pour ça qu'elle a cette, cet entourage. Alors qu'elle, elle scale sur un peu tout et un peu rien. Épée longue de scène, on va plutôt prendre ça. C'est marrant, les épées sont en bois, je suis en train de calculer qu'il n'y a pas de... Tout est en bois posé au calme. Une très épée longue, forgée, matériau originaire, d'au-delà des... Il paraît que ça garde... Pourquoi elle est... Pourquoi elle a un bord violet, vous croyez? E-E-D-D. Non d'accord, c'est ça, puissance élémentaire, puissance d'état, ça, ça fait des dégâts magiques. Très curieux cette affaire. Il va être gueule sur tous les jeux JPP. Non, justement, c'est pas mon style de zinzin. Hein. Des fragments de baiser. Tu les récupères post-coït. Hey. Fragments des faïstites. Fragments des faïstites. Ok, donc on va utiliser mes fragments des faïstites sur l'épée longue de scène. Épée de guerre. Ah, on peut l'utiliser sur l'albarde de scène. Je suis en train de réfléchir, pardon, je suis en train de me dire que grosso modo, vu que c'est pas les mêmes éléments, ce qui pourrait être intéressant, c'est de jouer elle en primaire, améliorer. Améliorer la bizarre. Et j'ai plus assez. Et améliorer ensuite elle. Et j'ai pas assez d'âme, mais on verra en temps voulu. Ok, il me redit de me diriger vers le château. On va y aller, on va y aller, on va y aller, tracasse-toi pas. Vous êtes des potes à la compote, vous?
Vous êtes des potes tant qu'on n'est pas agressif. Vous avez des yeux rouges quand même, hein. Pardon les gars. Enculé. J'ai plus de PV, j'ai plus de PV. Poussez-vous ! Poussez-vous ! Ils sont trop smart. Ils m'ont laissé passer pour me coincer par derrière. Mais attendez, c'est trop intelligent. Enculé. Une fois oui, mais pas deux. Il en a rien à foutre, lui. Je te cache pas que c'est curieux, mon buff, hein. Et je suis à combien? Je suis à 1290, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait. Il y a un truc sur le toit ici, faudra pas l'oublier. Et on améliore ça. Voilà. En fonction de si on veut faire des dégâts ou des dégâts. T'es si naïf, j'aurais fait pareil. Je te jure, je me disais, viens, on n'est pas obligé de tuer tout le monde, trop cool. C'est un public difficile, quel dommage, hélas, quand je suis lié à cet acte, comme tu l'es à moi, Sharkinta. Qui vit son... Ah, mais là-haut. L'univers a l'air hyper cool, par contre, hein. Des gros dégénérés, mais... Les loups dans les Souls, frère, on connaît, hein. On n'a jamais passé un bon moment avec les dogos dans les Souls, désolé, jamais un bon moment. Toi, l'expérience de Tila. Voilà, on lui a bien dit. J'ai parfois l'impression que cette fête dure depuis bien trop longtemps. Elle a ses avantages, la nourriture est de premier choix, les vins, viandes, les fruits, les gens. Guêpe d'argent, j'aime bien ça. Montre-moi cette guêpe que je ne saurais manier, apparemment. E-E-D-D, puissance élémentaire, puissance d'état. Elle, elle est entourée de bleu. Et il faut que je sois à 15. En élémentaliste. Je suis pas sûr d'avoir bien fait de... d'améliorer certaines armes. Non, je peux pas sauter en face. Toi, je montais te... Hey oh! Ça va, oui? Mais tu t'emmerdes! C'est une dinguerie, frère! Mais je veux pas le taper. Il me stun avant que j'ai le temps de le taper. Oh, la taille du harcèlement, c'était fou. Là, on peut monter. Je vais lui refaire le grade du cul, ça lui fait certainement à transporter. Les vents du changement. Il devint évident que le premier seigneur était meilleur chevalier que gouverneur. Son zèle militaire excessif le rendit de moins en moins appréciable auprès de la population. Il m'a ratio, et comme rarement je me suis fait ratio. Ok. 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 Ah non, je veux pas être bourré, je suis bourré. Ah, je suis bourré. Ma grand bien m'en face. Mon dieu, salut Lilou, comment tu vas? Ça lui a touché une tuile sans faire bouger l'autre, il me fait peur lui. À la bagarre? À la bagarre! Même si mon perso est un peu bourré. Aïe! Aïe, oh, yo. Mais laisse-moi me saigner, c'est une dinguerie, frère! Ha 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 ha!
Ok, curieux. Ça va bien vous autres? Moi ça va. Le chat a l'air d'aller bien. On tente le jump ici? C'est non. J'ai l'impression qu'on n'a pas de dégâts de chute tant que la chute n'est pas d'une hauteur mortelle. Soit on meurt, soit ça va. On va aller là, hein. Je pense que c'est tout ce qui nous reste. Ok, t'es pas un pote à la compote. Je me suis dit avec le bruit, peut-être que... Ça a pas fait de dégâts? Ça m'a one shot? Quoi? Polo. Dogo. Ok. Tuer deux bergers de Quinta. Ces chiens d'une race ancienne sont connus comme protecteurs des troupeaux et des fermiers. Ils sont désormais utilisés par les gardes de la ville pour détecter la contrebande et traquer les fugitifs. Oh. Un petit accent à la fin, je vous cache pas. C'est ma faute. Oh, attendez. Ok, tac. J'ai eu mon frère et sa copine. Ils m'ont fait demander d'être la marraine. Oh mon dieu, c'est trop mignon! T'as accepté? T'as dit non, moi je m'en fous, j'irai pas, on te casse la gueule. Hein. Incroyable, c'est trop cool. Il est bourré, je te rappelle. Eh oui, c'est vrai. Ok, on va essayer d'être intelligent. Ça l'a pas interrupt. Bah non, il a l'air interrupt là. Oh, c'est vrai que ça fait changer d'arme, ça j'ai oublié, je suis trop bête. C'était pas la bonne touche, quel enfer. Il est perdu, il est... Oh, mais PV. Oh là. Oh yo. Il y a un mec qui tire là-bas, un archer. Hop là, on run. On récupère un objet ici qui est un fragment d'Héphaïstite. Si jamais je veux m'Héphaïster. D'autres fragments d'Héphaïstite, si jamais on veut s'Héphaïster le... Le cracheur de feu. On n'est jamais allé ici encore. Vous allez me faire du mal quand j'aurai le dos tourné encore. On me la refait plus à moi. Trop bien! Arrête, ils sont gentils. Je crois pas qu'ils sont gentils la dernière fois. Je me suis dit, ils sont gentils. T'as vu comment c'est passé? Non, tu n'as pas vu parce que je suis mort instantanément. Edvino. Oh merde, j'aurais dû le verrouiller. C'est marrant, mais le fait de mettre les pieds dans l'eau, ça nous... Enfin, les pieds dans le vin, ça nous bourre la gueule. J'aime beaucoup le principe. C'est pas les mêmes, tu mens. Tous les Italiens sont les mêmes, Bubbles. Oh mon dieu, si mon pauvre grand-père entendait ça. Il y a un masque là. Expansion d'Harmonia. Ça veut dire que maintenant j'ai plus de potions, je crois. Hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je t'ai manqué. Ta gueule. Un message énigmatique trouvé à Quinta parle des machinations de trois conspirateurs et amis proches. Il est question d'une puissance secrète capable de changer la nature du monde et des plans ambitieux de ce pouvoir leur inspire. Difficile de savoir pourquoi cela a suscité une telle réaction de Polichinelle. Mais c'est toi? Donc c'est toi le magicien? Oui, c'est toi, hein, c'est clairement toi. Polichinelle. La magie et l'épée ne font que ployer devant la puissance à fume et l'esprit. Un plan que les envieux qualifient de complot. Si un plan ne vaut rien, la planification, elle, vaut plus que l'or. Nous savons bien qu'aucun plan ne survit face à l'ennemi. Et c'est pour cela que j'ai toi, mon très cher ami. Donc en fait, on le sert pour l'instant.
De retour, c'est un objet qui... C'est un os du retour, ça permet de revenir sur, au feu, je pense, hein, sans souci. La rébellion. Les habitants finirent par prendre les armes et l'expulsèrent. Il devint évident que le premier seigneur était meilleur chevalier que gouverneur. Son zèle militaire excessif le rendait de moins en moins apprécié par la population. Les habitants finirent par prendre les armes et l'expulsèrent, mais ils mirent en place un conseil soutenu par les riches familles marchandes d'Elsa. Lentement mais sûrement, la ville de Quinta devint un refuge pour ceux qui voulaient vivre en paix et s'adonner aux arts. Faudra qu'on lise surtout à la fin en fait. Il y a beaucoup de choses à relier. Mais c'est cool, c'est assez cool. Et pour l'instant, pardon, mais pour l'instant le jeu est quand même très bien. Facile de dire au bout d'une heure de jeu, peut-être que je serai lassé dans 5 heures, mais... Pour l'instant, le jeu est un vrai petit plaisir. Aïe! Ah, allez, baisse ma mère. À voir sur les boss aussi. Après, les boss... Je trouve pas que ce soit le centre des Souls. Je voulais revenir là pour ouvrir le raccourci ici. Il y a aussi en haut à droite où on n'a pas fouillé. Il y a beaucoup d'endroits à fouiller. On fait quoi, le dogon? On le laisse là ou pas? Ouais, il a l'air assez calme. Allez, les tonos. Voilà. Attends, mais s'ils se prennent des dots... Pourquoi tu te prends des dots, mon ref? Ça leur fait si mal que ça, en réalité? Bâtard. On va peut-être commencer par ce côté-là, du coup. Mais après... Caillou! C'était un peu marrant. Je me doutais qu'elle allait en avoir une autre. Oh yo. T'es rapide un peu toi, non? Attends, tu commençais pas un peu à me lancer un objet? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, j'ai pas compris. Le fight est d'un coup devenu hyper technique pour moi. Bon, faut aller chercher mes affaires, elles sont là-bas. Ok, vous, c'est parti. J'ai oublié de te lock. C'est ma faute, j'ai oublié de te lock. Excuse-moi, voilà, j'aurais pu... Cette erreur. Hey! Bah voilà! Un premier raccourci. Rondement mené. T'es vraiment la merde que tu sais que tu es. Hein. Là c'est quoi? Ah ok, si je vois où on est. Ah non. Ah non, mais j'ai peut-être pas fouillé le rez-de-chaussée. Je me souviens même plus de toi. Ah si, je me souviens de toi. En train de me soigner, il y avait un autre archer. Oh mon dieu, quel enjeu. Ok, j'ai un raccourci. Ah, la vraie expérience de Souls, hein, j'aime bien. Ok, j'ai gagné sa torche à force de le tuer, c'est ça? Ah, mais c'est, je crois qu'il y en a un autre. Non, il n'y en a pas d'autre. Ok. Salut mon loup! Ouais, je suis une merde. Ça t'a touché? Ça t'a un peu touché, ok. Ah, on s'est déjà vu, nous. Vous en souvenez vous-même. Oh! J'ai l'impression que le jeu est trop cool, Razi. Enfin, non. Pour l'instant, j'apprécie beaucoup le jeu, après... Hélas, ça ne vaut que ce que ça vaut.
avec les connaissances de 1 à 2 heures de jeu. Mais j'y prends du plaisir. On essaye de pas les tuer pour voir. Ah, je pouvais ne pas les tuer en fait. Cool. Qu'est-ce qui s'est mal passé ici? Pourquoi mon âme est là? Non, c'est pas mon âme, c'est un feu. Il y a encore Polichinelle. Et je peux pas ouvrir là. Par contre, je peux réaméliorer mon âme et mes armes, pardon. Et j'ai plein de trucs. La hallebarde de Seine. Une genèvre. J'aime bien cette arme pour l'instant, je vais l'améliorer. Sachant que elle scale beaucoup sur la puissance d'attaque. Repose-toi, repose-toi, repose-toi. C'est un peu particulier. C'est un peu comme les Souls de Razi, mais c'est en plus... puissance d'attaque, ça augmente la puissance d'attaque. Ouais, on va se prendre ça très tranquillement. En plus exotique. J'aime beaucoup l'univers en fait pour l'instant, même si je n'ai clairement pas tout saisi. On est un sans masque. On est un sans masque. Par définition. On récupère les masques des autres. Alors que les autres, eux, ont leur masque. Ce qui leur fait leur identité. Ok, je capte le mood. Maintenant, faut qu'on retourne tout en arrière. Voilà la zone que j'ai pas fouillée. Ah, mais re-toi. Non, mais toi, c'est chiant à force. Pardon, je le dis, mais ça y est. Non. Oh, t'es chiant. Je l'ai dit. Peut-être que tu te souviens, j'ai dit que je le... C'est pas grave. Ça va toi Razi, tu passes une bonne journée? Tu vas bien? Cool. Là je l'ai pas aggro, c'est parfait. Ok. À qui grève de la faim? Faut regarder un petit peu comment ça se... c'est un boss ça. Et c'est un archer là-bas. Ok, donc on a un archer qu'on peut pas atteindre d'ici. Et un boss. L'avènement du théâtre. Ouais, bah, je te lirai plus tard pour des raisons de je suis en train de me faire canarder. S'il te plaît, viens, on dit qu'on n'est pas... Ouvrir? La porte est verrouillée. Ennemi là, à la fin de la... Ouvrir la porte. C'est une clé, nickel. C'est pas vu mais j'ai essayé d'esquiver. J'ai du mal à lire ses patterns. Qu'est-ce qui m'a touché? Putain, la flèche. Attends, parce que toi tu le comprends pas mais moi j'essaye de... J'ai un archer sur le cul, ça compte pas. C'est de la triche un peu, non? Oh, t'en as rien à foutre quand je te tape, hein. Eh ouais, t'en as rien à foutre. Bon, par contre, t'es tuable. Il y avait un troisième coup. Ah, il y en a un quatrième. Ok. Bon, on les verra plus tard. 2 jours de travail et après pause. Oh, pause. Vacances? J'imagine qu'on verra quand j'aurai une clé. Ce qui me permet de voir aussi que là, il y a un petit passage. Non. Bon, là-bas... Je crois qu'on pourra voir quand on aura des clés. Ouvrons. C'est un boss! Je m'ouvrais un ferro rocher, moi! Non mais... Attends, en vrai, qui dit boss, dit... Je vais être plus à l'aise avec ça, je pense. Yes. Là, j'ai essayé de contrer, mais... Ouais, pas mal. Ok. Ok. Soigne-toi. Ok, j'ai chié. Plus je compte, plus ça charge la barre bleue qui est sous les PV de l'ennemi. Ce qui me permet derrière de le... De lui mettre des petits dégâts, ce qui est pas ouf en vrai. Ok.
Ah putain. Ah putain. PV. Bah ouais ouais, je regardais pas, j'ai essayé de contrer et en fait mes PV quoi. Quoi? Je l'ai pas esquivé ça? Ok, bah pardon. Je vais pouvoir prendre un Ferrero. Salut Jocol, tu vas bien? Je me fais opérer vendredi. Oh, dernière opération pour réparer mes jambes, c'est un accident il y a 2 ans. Oh, bichette. Arrête de 1 mois, ça va aller l'opération, c'est quoi? C'est pas indiscret, hein. Très bon Ferrero Rocher, cela dit. Si j'ai pas de bêtises. Merde, quel con. On reprend lui, là. Là, voilà, là. Invoque une masse, point de chargée, puissance de vis. Pas de scaling particulier. Je te charge presto. Alors, j'ai envie de l'équiper, mais je sais pas comment on fait pour l'équiper. Équiper dans la configuration 1. Équipé dans la configuration 2. Bon, on va voir ça. On a beaucoup de points là-dedans. Donc peut-être qu'on va pouvoir avancer ça. Un peu perdu encore. On m'enlève les packs si tu as des multiples fractures. Oh, c'est quelque chose. Hein. Ça va en vrai. C'est mécanique, il y a pire. Ouais, oui, il y a pire. J'espère que ça va bien se passer, quoi. Réussir à régler ton problème d'écran. Oui, tout à fait. Finalement mon café, c'est pas un problème d'écran en fait, c'est un problème de boîtier de capture. Du coup j'ai changé de boîtier de capture. Non, c'est vos armes, ça c'est le tour de l'imprégnation des armes, ça c'est quoi? Les traits des masques se chargent plus rapidement, mais font moins de dégâts, c'est dommage ça. Puissance intérieure, lorsque vous êtes touché, vous utilisez un trait de masque qui se recharge légèrement. Les dégâts infligés par les attaques légères augmentent les dégâts d'attaques lourdes. Et vice versa. Ouais, c'est alterné attaque lourde et légère. Quand vous subissez des dégâts de mêlée, votre attaque subit des dégâts physiques en retour. Ok, cool. Oui, oui. Bah. Ah, faut que je fasse un feu, je crois. Très bien. J'ai pas mal lurké sur Twitch. Eh bah écoute, moi j'en suis ravi. Voilà, et là on peut acquérir. Le fait d'infliger des dégâts avec une arme augmente brièvement votre défense physique. Allez. Parer parfaitement une attaque vous restitue une partie de votre santé. Lorsque votre santé dépasse un certain seuil, votre défense physique augmente. Voilà, un truc très défensif pour l'instant, parce que c'est un peu neutre, ça marche avec tous les éléments. Je suis un peu perdu. Je suis vraiment en full regret du tuto. J'essaierai de le refaire. Après, s'il me loupe aussi, je suis pas aidé, hein. J'ai pas perdu de PV encore. Oh, mais ça fait mal! Ok. C'est un côté Lies of P en fait. C'est plus un Lies of P like qu'un Souls like, hein. Et en termes d'ambiance. Et en termes de mécanique. J'étais en train de me soigner, mais j'ai pas eu le temps de me soigner. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Yureltor, comment tu vas? Ça y est, t'es revenu de Star Wars, c'était bien? Genre la petite fuite tout guirée, je te jure que eux ils passent un bon moment, moi pas. C'est une dingue. Bon, après il y a Elvino. Oui, on va faire le stuff plus tard.
Je danse un peu, je profite. Ouais, c'était moyennement bloqué, mais soit. Ok. Ok. Oh mon dieu. Oh, l'erreur de timing qui me coûte très très cher. Magnifique. Et là, c'est le début de la phase 2 avec son vin et tout, là, c'est ça? Ouais. Faut que j'aille me soigner, là, monsieur. Ah! Je panique un peu. Eh oui. Je crois pas qu'on va esquiver des masques contre les boss. Va falloir apprendre à parer, hein. Comme un zinzin. C'est Lies of Pirate. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis quand même content de te voir, Altor. C'est pas grave. Je suis mort, mais ça valait le coup. L'ambiance du jeu a l'air dingue, ouais. Ah, Star Wars, c'est pour la convention. Skim me parlait. Exactement, exactement. C'est ça. Je vais aller me prendre un monde DK, mais je peux pas louper. T'inquiète, t'as paniqué de zinzin. C'est bon, tu peux aller chercher ton DK. C'est bon, il va mettre encore qu'un strike. T'inquiète, Lies of Spaghetti plutôt. Rapport à l'Italie. C'est drôle. Vous êtes des grands malades. Allez, viens là. Ok, pardon. S'il y a un côté The Witcher 3 en musique. Là, j'ai l'impression d'être dans une partie de Gwent. Je sais pas si ça arrête, t'as le... Tu vois ce que je veux. J'ai été greedy. Je bossais ce matin à 7h30, c'est pas vrai. Oh mon dieu, mais quel enfer. Alors que t'as pas dormi du week-end au bas mot, hein. Ok, ok, ok. Ça va, il me reste des PV. J'ai paniqué. J'ai le temps de me soigner tant qu'il est au sol, on passe pas encore à la phase 2. On passe à la phase 2. Pardon d'exister, messire. On apex deux secondes. Il y a vraiment un PNJ qui vient de me dire bravo, cet enculé. Il y a un truc qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression depuis tout à l'heure que les zones, je les ai fouillées qu'à moitié. Alors j'imagine qu'on va y retourner puisqu'il faut des clés, des machins, des... Salut les connards. Merde. Ouais, mais laisse-moi me retourner. Elle est vraiment pas dingue cette arme-là par contre. Faut que je change de... Qui est à court? C'est là-haut je crois. Faut absolument que je change d'arme. Pas d'arme, de move d'arme, de weapon art. Je crois pas que le terme soit weapon art, mais weapon art on se comprend. Non, 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 non! Weapon art on se comprend. Comment je fais pour ouvrir ça? La porte ne peut pas être ouverte ici. Mais de quel autre côté tu veux que je l'ouvre? Et comment je le tue, le dégénéré là-haut? Je suis vraiment en train de louper des trucs. Faut que j'arrive à comprendre comment ça, je peux le changer et l'équiper. Y. Rien, voix des invocateurs, on s'en fout.
comment changer ça. Est-ce qu'on peut les changer même? Il est où l'archer? Est-ce que je dois faire du parcours? Ah, il y a clairement un truc là-haut par contre, je viens de voir qu'il y avait un item. Mais là-haut, on y va de cette porte-là en fait. Est-ce que ça se casse? Tu comprends un truc, toi? Mais ça y est, t'es un bibé. T'es vif pour un KKPK. Mais one shot! Mais t'es une dinguerie! C'est pas grave, on y retourne. J'ai pas peur. Peut-être que tu vas choper une forme avec un grappin. Je pense que c'est plus au niveau des apparitions. Je pense que les niveaux ont ce côté un peu. Ils ont essayé de se faire un level design très à la Dark Souls, en sens où fracasse-toi pas, ça s'entremêle. Putain. S'il me touche avec ça, ça me tue. Et un vaisseau antique qui me permettra d'imprégner mon arme, je crois. Ok. Il y a vraiment tout un truc en haut. Là-bas aussi, hein. Messieurs, je vous en prie, dansez, amusez-vous. Non, putain! C'est pour ça que personne ne t'aime, toi, et que ta femme t'a quitté. Avec Vincenzo. Pareil pour lui. Lui me rend ce fight-là infaisable. Donc je pense que lui doit être tué avant. Donc il y a tout un truc qui se base sur les toits. Faudrait que je demande à Ezio Auditore, mais... Ils ont reçu un appel de Roissy. Ils cherchaient des valises apparemment. Elles étaient sous mes yeux. Apparemment. C'est sipé ce soir. J'ai zéro regret. En revanche, ce week-end, c'est 48 heures sous la couette. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais c'est trop bien. Vous avez l'air d'avoir kiffé de zinzin. Et c'est ouf parce que même en n'étant pas un passionné de Star Wars, alors j'apprécie beaucoup l'univers de Star Wars, mais je sais pas, c'est pas cette passion non plus, tu vois. Bah ça avait l'air insane, j'avais qu'une envie, c'est d'être avec vous là-bas. De là-bas? Je pense pas, hein, là-haut il y avait juste un petit item. Je me souviens pas si eux... Attendez-vous, attends. S'il n'y a pas attaque sautée, voilà, il n'y a pas attaque sautée, donc c'est chiant. Voilà. Est-ce que ici je peux gratter un... Un passage, pas le moins du monde. Par contre, vous savez ce qu'on peut faire maintenant qu'on est très cool, très branché, qu'on a compris qu'on pouvait utiliser des masques? On peut retourner voir le mini-boss du début où on était trop gaze. Lui tailler le gras du cul, tiens, ça lui ferait ça de moins à transporter. Envie de retry le boss? Si. Je voulais juste voir si je montais un peu de niveau ou autre et voir si j'avais pas loupé trop de choses. Potentiellement Pex, parce que... Pourquoi pas? Filou, c'était quoi? L'endurance? Ouais. Ouais, ouais, oh là, oui. Bon, bah voilà. Après, ça c'est quoi? La puissance d'Adore? Ouais, bah, en vrai, on peut pas... Hé, hey, Gaspard, monte pas tout. Voilà, confirme. Et je peux faire voyager, je crois. Voyage rapide. Yes. L'église, c'est là où il y a le boss. Nous, on va au champ du commencement. Je crois. Ah, faut me préparer d'ailleurs. Je pensais faire un coucou. Très bonne soirée. Merci, des bisous. C'est un plaisir de t'avoir vu. Bah, bonne soirée à toi. Et kiffe bien, surtout. Prends plein de plaisir à l'event. Je sais pas ce que tu fais ce soir, tu me diras, mais... Kiffe bien, surtout, BG. Je me sens déjà vachement plus à l'aise qu'au début. Surtout maintenant que je vais mettre des masques. Puis il faut que je récupère les masques des jardiniers pour pouvoir devenir jardinier. Hein les loulous, on parle de vous, on parle de vous, reviens. Dac, 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 dac. Ça se laisse pas faire quand même ici. Hein. Éclat de masque de jardinier, un peu, pas mal. Ça
Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Là, faut que je fasse gaffe. En bas, il y avait un mec, on s'en fout. Là, il y a personne. Il y a juste lui. Big revanche contre lui. Big revanche. Ça va, mon gros loup ? Ok. Cool. C'était naze. C'est compliqué, hein. Mais c'est vrai que je peux le counter plutôt que de me faire chier à esquiver de zinzin là. Ah, il est bientôt stun. Ok, je peux remettre un coup, j'ai le temps de lui remettre un coup, il prend quand même des dégâts. Il est quasiment mort. Hop là, pour Frodon. Et bah voilà, éclat de masse de bûcheron, 20 fragments de trucs stylés. 1. Et ça me permet en plus de continuer ici, de voir que voilà. Et bah voilà, je vous avais dit qu'on avait loupé des choses. Tu meurs pas, hein. Ok. Ouais, le bûcheron, il a quand même fait le taf, hein. Et eux ont pas de masque, regardez. Si, lui a un masque. Non, je dis de la merde. Lui a un masque. Si, ils ont carrément un masque. Si. Et un crabe. Vamos a la playa. A mi me gusta bailar. Ah bah, Ritmo de la noche, Sons of Fiesta, hein. Ok. Moi, j'ai loupé, mais... On peut donc finalement faire des attaques sautées. J'avais plus d'endurance. Piqûre. Ok. Oh, un pigeon. Je reconnais, avec des pinces comme ça et une carapace, c'est un pigeon, ça. C'est à 19h, c'est organisé par un voisin commun. Oh, jure. Ah, des bisous, enjoy, alors. Y'a rien à récupérer, là? Non. Toujours un plaisir de venir par ici. Plaisir très partagé. Éclat de Canovaccio. Incroyable. Purement incroyable. Je meurs pas, pitié, je meurs pas, c'est une honte si... Ok, si, il y a un trou, si, je meurs, si je saute là. Je peux passer par là, je peux passer par là, tout va bien. Tout va bien. Et on arrive ici, qui est un endroit qu'on avait... Ah ! Qu'on aurait pu visiter si on avait fait un effort. Parce que finalement, on revient juste là. Ok. Finalement assez simple, assez cohérent. Voie d'innovateur, niveau supérieur, voyage rapide. Voie d'innovateur, on a quoi? On a 13 points, on peut récupérer des petits trucs comme... Là, ça coûte trop cher. Là, c'est quoi? Lorsque votre endurance atteint un certain seuil, votre puissance physique d'état élémentaire augmente légèrement. Oui, ça coûte pas cher. Votre puissance d'état et dégâts infligés par vos coups de grâce augmentent. Oui, les coups de grâce, j'en mets, je joue autour de ça. Et là, c'est tout ce qui coûte plus cher. Lorsque vous lancez le trait de masque équipé dans l'emplacement 4, votre arme s'imprègne brièvement. Mais je ne sais pas comment faire, je comprends rien de tout ça. Lorsque votre arme est imprégnée, vous infligez des dégâts élémentaires accrus. Oui, ça c'est l'imprégnation, donc ça on s'en fout. Là j'ai rien mis non plus, c'est quoi? Lorsque vous êtes touché, vous utilisez un trait de masque qui se recharge légèrement. En vrai, je pourrais m'en servir plus, ça se recharge plus souvent. Les traits de masque se chargent plus rapidement mais moins de dégâts. Les traits de masque se chargent plus lentement mais plus de dégâts. Ah! Deux arbres différents. Intéressant. On va garder ça. Vous savez quoi? On va essayer d'être hyper intelligent. Bon, déjà, on va aller à l'église. Et je vais voir si je peux récupérer... si je peux aller faire le tuto. Ça pourrait sûrement nous aider de faire le tuto. En tout cas... Ah, on se travaille le boss avant. On se fait un petit boss. On se fait un petit boss et après, on voit si on peut aller au tuto juste pour ces détails-là. Match de bataille, c'est charge de trait et la statistique si jamais on veut du scaling. J'avoue que je suis mitigé, hein, ils m'ont pas rendu ça intéressant de fou. Après ça augmente la défense, puissance des. J'aime bien jouer autour de ça, moi, en vrai. Vas-y, on en prend un peu, mais on le garde pour plus tard. Tac, tac. Filou, c'est l'endurance. L'endurance, ça servira toujours. Plus encore les dégâts.
Les PV. Allez, comme ça. Et après, je verrai si je me spais là-dedans. Ça donne quoi pour le moment? Le jeu est sympa. Putain, attends. Le problème, c'est que je suis pas très fort. Mais le jeu est sympa comme tout. Ah, on a une dure journée, hein. Ouh. Pas mal. C'est très Lies of P, pire que tout. J'ai grid. J'ai pas eu le temps de me protéger. Non! Oh le grid. Non! Faut que je me tente de me soigner là. Ok. Je prends quand même des dégâts. Hein. Ah oui, je prends quand même bien des dégâts. Oh waouh! Pour prendre 0 dégâts, il faut que tu fasses des perfect paris. Exactement. Et honnêtement, le timing, contrairement à ce que j'avais vu en commentaire, était pas si dingue. Ok. Je vais voir le tuto. Et on voit la suite juste après.